C'est à travers cette note d'information signée ce 10 avril 2017 par le secrétaire exécutif du JICAM, Alain Blaise Batonguet, que les Camerounais seront informés de la démission du Français Armel François, celui qui assurait l'intérim au prestigieux poste de président du groupement interpatronal du Cameroun. La note précise que la dite démission a été enregistrée au cours d'une assemblée générale mixte tenue le 7 avril 2017 à Douala. À sa suite, on va également apprendre que son vice-président, le Camerounais Henri Les Fosso, premières a jeté préoccupations, l'éponge. Au bas c'était du de savoir communiqué, comment Alain on... Blaise Batonguet annonce une assemblée générale mixte ordinaire qui va se tenir le 29 juin 2017 prochain au siège du JICAM. Celle-ci sera consacrée en première partie à la clôture des comptes de l'exercice 2016 et en seconde partie à l'élection d'un nouveau conseil exécutif. L'actuel secrétaire exécutif du JICAM, Alain Blaise Batonguet, étant absent au pays, les membres présents au Cameroun n'ont pas souhaité s'exprimer sur la question. Mais le communiqué précise néanmoins que les deux démissionnaires ont accepté de rester en fonction jusqu'à la tenue de la prochaine élection pour une poursuite sereine des activités du JICAM.